puisse-t-il libérer les anges selon leur mission ce soir en ce lieu, afin d'accorder à chacun selon les besoins de son cœur. Par ta parole, illumine nos esprits et fais-nous percevoir les futurs lointains. Par ta parole, approche ce qui était lointain vers les temps présents, car tu en es capable. Corps abattu, au bout de l'énergie, l'esprit éveillé dans ta présence, nous pouvons sentir les agitations spirituelles. Nous pouvons sentir la mouvance de l'esprit. Fait que ce que nous ressentons devienne palpable. Ce soir, en ce lieu, maintenant, dans la vie de ton peuple, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Nous l'acclamons, nous poussons des cris de joie, nous lui disons qu'il est Dieu, nous bénissons son nom, nous exaltons sa puissance, nous lui disons merci à ma papa d'être avec nous. Nous allons lire Exode chapitre 15. Esprit du Seigneur, passe dans cette semaine de bénédiction, la dernière de cette marche veut nous enseigner une chose qui n'est pas le moindre, mais qui n'est pas souvent prêchée pendant les assises sur l'Exode ou la traversée du désert. Nous allons aujourd'hui parler d'un chant. Des cantiques chantés par une prophétesse quand Dieu visita son peuple. Exode chapitre 15. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Nous lisons du 1er au 21e verset. Parole du Seigneur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je m'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont dissous au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est
comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple la prenne et il tombe. La terreur s'empare des Philistins. Le chef de l'homme s'épouvante. Un tremblement saisit le guerrier de Moab. Tous les habitants de Cana tombent en défaillance. La crainte et la frayeur le surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, hier j'étais en train de conclure le message d'Exode. Nous avons compris comment tout avait commencé. Un homme, je dirais innocent. Un homme libre. Un homme qui ne se plaignait même pas. Qui vivait dans la maison de son père. A été le choix d'un Dieu. Dieu, quand il te choisit, il s'impose. Il vient dans la vie d'Abraham. Il lui dit, sors de la maison de ton père. Abraham quitte la maison de son père vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il arrive finalement à Cana. Dieu renouvelle la promesse. Il me dit, sur cette terre où tu es étranger, tes descendants y posséderont. Ça sera pour eux le pays où coule le lait et le miel. Pendant que Dieu annonce cela à Abraham, Abraham est étranger à la terre promise. Il n'est pas libre. Il n'est pas affranchi. Il n'est pas arrivé à ses fins. Mais Dieu ne regarde pas le temps. Dieu ne regarde pas les circonstances. Quand il veut parler, il parle. Et quand il parle, la chose arrive toujours. Tu peux te plaindre devant Dieu. Tu peux lui montrer tes faiblesses. Tu peux lui montrer tes insuffisances. Tu peux lui dire que maintenant il y a la pandémie. Tu peux lui dire, Seigneur, je ne sais pas faire parce qu'il y a la pauvreté. Dieu ne tiendra pas compte de tout cela. Lorsqu'arrivera le temps où il devra parler, il parlera. Et heureux celui à qui Dieu parle. Parce qu'une fois Dieu a parlé, la chose finit par arriver. Il lui a parlé, Abraham est mort.
Jacob est venu, Isaac est venu, ils ont utilisé les mêmes puits. Finalement, au temps de Jacob, la famine frappe. Jacob prend ses enfants, il va en Égypte. En route vers le pays de leur destination, le pays de leur destinée, quelque part, les portes se ferment. Il n'y a plus de route. Tout est bloqué. Pharaon dresse ce miracle. Le pharaon qui est venu n'avait pas connu Joseph. Comme si la Bible disait, le premier pharaon qui avait connu Joseph laissait à Israël de s'en aller et de revenir. Mais le nouveau qui est venu a augmenté leur joug. Il les a retenus. Plus de mouvement. Bien-aimé, j'ai toujours dit une chose. Les sensés dans la marche. Si tu es sensé, si tu es intelligent, si tu sais comprendre Dieu, si tu fais de fort pour comprendre, et le monde est Dieu, comment les choses marchent, tu comprendras que sur cette terre, il n'y a personne d'Adam jusqu'à aujourd'hui qui a mené une vie en ligne droite. Il n'existe pas. Toute vie, toute personne sous le soleil est variationnaire. Même Adam, l'homme selon le cœur de Dieu, l'œuvre faite par les mains du Seigneur, il était en ligne droite. Mais à un moment, le serpent est venu, il est tombé bas. Et le Seigneur est venu, il l'a couvert par la peau de l'arbre. Et il a continué sa marche. Il a eu Abel et Caïn. Caïn a tué Abel. Ils sont encore descendus en bas jusqu'à ce qu'arrive Seth. Les hommes reprennent à adorer le Seigneur. Ils continuent. Ils sont en stabilité. Ils arrivent à un moment. C'est le temps de Noé. L'humanité tombe encore en bas. Il ressort par l'arche. Il continue. Noé sème la vie. Noé sème la vie. Noé a fait la bonne moyenne. Il sème le vin. Il récolte le fruit de la vie. Il prend le vin. Il tombe encore en bas. Ça ne maudit. Il voit la nudité de son père. Et puis, la nature continue. Après ça, sème et l'autre. Disent, je nous n'allons pas profaner notre père. Il relève les choses. La vie continue. Jusqu'à Manassé, il y a eu 400 ans, le monde a sombré dans les ténèbres. Il n'y a plus eu de révélation jusqu'à ce que le Seigneur naisse. Quelle vie toi tu veux mener? Toi qui n'aimes pas le bas, toi qui n'aimes pas la souffrance, même Jésus, il a réalisé 400 ans après. Il est allé à la montagne. Le diable est arrivé. Il a commencé à chercher. Il a fait comprendre à Jésus. La stabilité, c'est au ciel. Maintenant, tu es sur la terre. Tant que tu es sur la terre, accepte le haut. Accepte aussi le bas. Si Adam a connu le haut, il a aussi connu le bas. Noé a connu le haut, il a connu le bas. Jésus a connu le haut. La croix a descendu en bas. La résurrection a remonté. Un homme fort, c'est celui qui sait maintenir l'équilibre et la vie. Il a réussi.
arrivera un moment avec le Seigneur où tout sera stable. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Je m'en vais dire à celui qui pleure, ne pense jamais, même si c'est un prophète qui te l'a dit, même si c'est un pasteur, si tu as dit que tu finiras ta vie par des pleurs, il t'a menti. Je m'adresse à toi qui ris aujourd'hui, même si c'est moi qui te l'ai dit, que tu finiras par ta vie, ta mérite, je t'ai menti. Un jour, tu verseras de là, mais le Seigneur sera toujours assis sur son trône. Pendant tout ce yo-yo, Dieu reste le même. Il ne change pas. Dernièrement, je disais à quelqu'un la semaine passée, nous passions devant une mort emboutée à stérile. Le samedi passé, je crois, il était 10h. C'était un bouchon terrible sur le boulevard Lumumba. Le chauffeur m'a dit, entrons par la foi, nous allons sortir derrière vers l'école Massamba pour fuir le Lumumba. Nous arrivons là, un bouchon plus que le boulevard. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit c'est la mort. Tout cet embouteillage, c'était des gens qui étaient en plein. Mais quand tu vas vers Lumumba, il y avait des gens qui avaient des sifflets, c'était des collations. Au même moment, les gens, c'est le jour, ils étaient quelque part, notre pleure. Pendant que notre pleure, d'autres étaient dans les lits des hôpitaux. Devant des salles d'urgence, il y avait des gens qui priaient. Devant des soins intensifs, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'un médecin les appelle. Ainsi est faite la vie. Quand ça ne plaît pas chez toi, cela ne veut pas dire qu'il y a de la sécheresse. Quand il ne plaît pas à Kinshasa, moi j'ai étudié en Gilles. Il y avait des jours comme ça, quand on finit, j'habitais ma tête, on prenait des pirogues. Papa, sur moi, transport, non, on boit une poche, vous voyez, si on a un jour dans une boîte pour gâter sur des coups, aux ongles. Nous, les mecs, tu es dans Kinshasa, au lieu de mon nom, tu es dans 100 francs boîte, tu es 300. Bon, comme il y a un jour, il est débordé, il y a un jour. Mais dans Kinshasa, nous, les mecs, tu es. Et on nous annonçait que nous les bêtises n'a pas pour nous pendant ton petit pot. Mais tu chassais dans ma sécheresse. Pendant ta marche, ton exode, ne dis jamais que le Seigneur ne me voit pas. Ne dis jamais que le Seigneur m'a abandonné. Ne dis jamais que le Seigneur m'a oublié. Ne dis jamais que mes prières n'atteignent pas le trône. Ne dis jamais que Dieu m'a fermé les yeux. Ne dis jamais que Dieu m'a fermé les oreilles. Dieu reste Dieu quand ça marche et quand ça ne marche pas. Il reste Dieu. Ils étaient en marche vers Canaan. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils chantaient. Ils se réjouissaient. Mais ceux qui ne savaient pas, Jacob, ceux qui ne savaient pas, Joseph qui les invitait, n'était qu'un homme, mais il n'était pas Dieu. Il n'était pas éternel. Maudit soit tout homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi souffre-t-il? Tout simplement parce qu'un homme t'a promis et ne l'a pas réalisé. Pourquoi penses-tu que Dieu est injuste? Parce qu'un humain t'a défié et t'a mis réussi.
Et on verra. Il n'est qu'un homme. Il pourra mourir même avant de voir son accomplissement. Et Dieu te dit, ne crains jamais un homme. Aie tes yeux vers l'Éternel. Un seul est éternel. Il s'appelle Yahweh Shama. Il s'appelle Yahweh Jireh. Il s'appelle Elohim. Tout homme est mortel. Pharaon est mortel. Les Égyptiens sont des mortels. Ils peuvent te défier. Ils peuvent te faire souffrir pendant 10 ans, pendant 15 ans, même pendant 30 ans. Un jour, ils mourront. Ils disparaîtront. Parce qu'ils ne sont que des Égyptiens. Sois fort dans la macaque. Ne lâche pas. Dieu n'est pas permis à ce qui te tue parce qu'il veut que tu sois le reflet de la gloire. Tu peux combattre avec un homme une année, deux ans, cinq ans, dix ans. S'il ne te gagne pas, ne désespère pas. Un moment, oublie les mêmes. Aie tes yeux vers celui qui te donne la victoire. Ils passeront. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. L'espoir de Jacob et de ses enfants, c'était Joseph. C'était la relation de Joseph avec Pharaon. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que Pharaon était un homme. Joseph était un homme. Arrivèrent les temps de la fin de tout homme. Ils sont partis. L'esclavage a commencé. C'était quelque chose d'inattendu. Personne ne s'attend à vivre la souffrance dans la vie. Personne. Même les chèques que tu vois à la rue, jamais il n'avait imaginé être là où il est aujourd'hui. Toute souffrance est un accident. Toute souffrance qui arrive dans la vie d'un homme est un accident. Et tout accident est passage. Accident aussi longtemps, salami aussi longtemps, et l'équipe à l'homme va traver. Ne reste pas figé dans l'accident. Ils sont restés en Égypte. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils sont sortis de l'Égypte maintenant. Deuxième signe de victoire. Premier, c'était. Ils ont fui la famine. Ah, si n'y a ni bosser au long, il n'y a pas qui m'a dit ça. Badé Sili. Nous allons la longue ici. Nous allons au mi-bat. Ils sont pour profiter. Ah, que au monde à Joseph, nous sommes peut-être à Tchéle, ils sont mal patouillés. Ils voyaient plus de nom. Mais comment on a fait du bosser? Ils voyaient les pas. Mais comment on a fait pour le temps? Mais quand les pains sont finis, l'esclavage a commencé. Ah, maintenant, les comme nous, comme on va dire. Dieu. Zambé sera toujours avec toi. À la terre l'union ton aïeau. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand toi tu penses que c'est la fin, peut-être que Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Quand toi tu penses que c'est fini, n'a commis. Un dixième à jamais. Quand le roi Joseph à souffrir à côté de la prison, les Kabanza ne peuvent pas vision à moni, à l'objet de ma papa, à Potiphar, à Bimi. Dans le parcours, du puits où il était jeté, vendu par des marchands, vendu comme esclave, il se retrouve dans la prison. Zambaye, la vision, la songe, a initié ma papa, mettez le Potiphar, a yé la nappe au Potiphar. Joseph a parlé de ses
La femme de Potiphar était à la maison. Moi aussi, à Potiphar, c'est là qu'il est là. Ne te fatigue jamais de te battre. Celui qui arrête de se battre, mais fait un salaire. Même les païens disent que la vie est un combat. Le combat de la vie s'arrête le jour où tu meurs. Ne pas accepter de combattre, c'est signer sa mort. Ah, pourquoi y a Kobunda et ça, pour ta Mokoloto, y a beaucoup Fanayo. Chaque matin, ton monyoso, sache qu'il y a une nouvelle bataille. Réveille tes alliés du Kumba au souffle des Obani. Il est dans la maison de Potiphar. Il commence à manger. On lui a donné même une bague de signe d'autorité. On lui a donné même un diadème. Il a porté les habits. Mais la femme de Potiphar est bien. Potiphar dans la gloire. Exode 2 aussi te dit que tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'Éternel sera toujours avec toi. Son bâton et sa houlette te racineront toujours. La vie se défie après défi. Ils sont ils arrivent à l'Égypte dans le désert. Pharaon se soumet. Pharaon a parlé ici que ma force, ce n'était pas mon peuple. C'était des esclaves. Ils ont esclaves. Nous avons tout à fait foisé sur le terre. Nous avons taillé ma bande à la sur le terre. Nous avons salé la sanité à la sur le terre. C'est pourquoi je vous avais dit lors d'une prédication. La souffrance est une école de formation. Pourquoi Dieu fait-il passer ses enfants par des souffrances, des épreuves? En réalité, il te met déjà au-dessus de tes adversaires. Pendant tout ce temps, il pensait opprimer Israël. Mais c'est le jour où Israël sort qu'il réalise. Dans la réalité, c'est Israël qui n'a pas dans ça de Sotosa. Une fois, on a chassé une fille de la maison. Cette fille est partie. L'homme de la maison a dit, on va aller dans la lobby. Pardonnons-les. La dame a refusé. Moi, c'est dans la lobby. Pardonnons-la. La dame a refusé. Moi, c'est dans la lobby. Mais quand la petite est partie de la maison, moi, c'est que la femme ne savait pas. Oh, maman, c'est qu'elle l'a suivie derrière. Parce qu'elle a été chassée. Elle a réalisé après que celle qui protégeait son ménage, c'était cette fille qu'elle faisait souffrir. Quand l'homme trouvait ses habits propres, bien dépassés, c'était en réalité cette fille. Quand il pouvait s'asseoir dans son salon très propre, c'était en réalité cette petite fille. Quand il trouvait ses enfants en bonne santé, en réalité c'était la petite fille. Quand elle est partie, il n'y avait plus personne. Dans la souffrance où elle était, sans le savoir, nous avons promesse qu'il y a beaucoup. Et pour que la dame revienne dans ses mariages, quand le secret a été connu, il devait rentrer à deux. Parce que si elle était rentrée seule, le problème allait être ta souffrance fait de toi la clé de problème. Les chemins que tu traverses, ça fait de toi la clé qui ouvrira pour tout ce qui va croire. C'est de l'expertise. Bien aimé, c'était un peuple qui a vécu tout ça. Ils arrivent maintenant devant la mer rouge. Pharaon, on les rattrape. De l'autre, est-ce qu'ils avaient vraiment délivrance à témoigner? À témoigner, ils nous ont délivrés.
mais sous Pharaon. Ma personne est la prophétie qui est dans ma salle. Mais où est-ce que tu as? Je suis en train de vision. Mais où est-ce que tu as? Ils sont sortis. Et Pharaon s'est lève. Je reviens encore pour te dire. Et sur cette terre des hommes, ne rêve jamais. Mener une vie en ligne droite. Attends-toi toujours à une chute et à une remontée. Quand tu es dans la chute, aille dans la pensée que je ne finirai pas là. Il y a toujours une possibilité de sortir. Quand tu es aussi là aux élites, sache tout péable. On nous racontait l'histoire d'un monsieur qui avait un grand village. Il fermait toutes les églises qui sortaient à ma campagne. Il dit, oh, ici c'est ma campagne. On ne peut pas avoir de bruit de comme il avait l'ordre national de léopard. Si vous osez, l'opard. Soit tu les rachètes votre maison, soit tu vous en fais. Son village brillait, va maintenant changer la chaude, la couleur, à tout moment. Un jour, un prophète, un petit prophète passait à la rue à ma campagne. Il prêchait. Le Seigneur, je ne sais pas, m'avait mis à cœur de passer sur cette avenue tous les jours. Et il criait le matin. Répondez-vous. Tout passera. Mais la parole que j'ai lue ne passera jamais. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Et ce qui ne sera pas demain apparaîtra un jour. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Et ce qui sera demain ne s'est pas encore manifesté. Ce monsieur le faisait fouetter à tout moment. Un jour, il a fait fouetter ce garçon. Il arrivait à peine à marcher. Et on l'a poussé. Il a rampé pour fuir. Et on s'est moqué de lui. À un moment, il a regardé le monsieur. Il a dit, papa, si le Seigneur est Dieu, personne ne passera sur cette avenue. Puisque moi, je n'ai pas pu marcher. Il est parti, je ne sais pas s'il était mort, il a disparu. Avant nos ancêtres, avant l'entrée de la terre, il y a eu une pluie terrible qui a ravagé tout. Les parcelles et les villas. Tous les villas sont partis. Et aucun homme ne pouvait plus passer. Le papa est resté dehors. Tous ses biens sont partis. Il a tout. Parce que tout simplement dans sa tête, il pensait qu'il avait déjà atteint la bourse et c'était la stabilité. Ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Et ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Et ce que Dieu a prévu pour toi demain, ne s'est pas encore manifesté. Pharaon a commis. Les enfants d'Israël poussèrent des cris. Ils crièrent à l'Éternel. Dieu devait traverser la mer. Pendant la marche dans le désert, ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau des rochers. Dieu les a délivrés par les serpents. Beaucoup de miracles se sont accomplis. Mais le miracle que je te prêche aujourd'hui, beaucoup de gens ne le réalisent. Alors que nous étions en prière la nuit, le Seigneur m'a parlé sur cette antique.
Écoute le message de Dieu. Je vous avais dit, je ne préparerai pas les écrits. Je vous parlerai avec mon cœur. Je venais de perdre pendant ces 40 jours. J'ai fait une opération, ça n'a pas marché. Je l'ai fait la deuxième fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas que ça ne marchait pas, mais. La troisième fois, c'est aujourd'hui. Les gens avec qui on était en prière ici, ils ont dit, celui qui avait fait ce travail, comment je l'ai guéri ici. Il a fait pratiquement la même chose que les deux autres avaient fait. Ça m'avait tellement énervé que je me suis dit, Seigneur, comment je perds de l'argent comme ça? Pendant que je suis dans un sacrifice de 40 jours de prière. Il y a un bon délire. Quand je me suis mis à genoux à 14h, j'allais prier. J'ai vu quelqu'un m'expliquer ce que j'étais prêche. Le Seigneur m'a rappelé qu'il fit un temps. Tu avais tout ce que tu pleures aujourd'hui. Mais tu l'avais perdu. Tu avais perdu tout. C'est moi qui l'avais perdu. Cela n'avait pas fait que tu m'abandonnes. Tu as persévéré avec moi. J'étais remonté. Ce qui t'arrive maintenant ne doit pas être un sujet de lamentation. Reste avec moi. Fais-moi confiance. Ce n'est qu'une fossée. Celui qui descend dans la fossée, il sort, mais ne sort pas à la même position. Est-ce que tu le sais? Au terme de Amen. Accepte des fois. Que Dieu te fasse perdre des choses. Accepte des fois des choses compliquées d'arriver. Mais ce que Dieu a interdit à Israël dans les détails, ce qui a fait que l'exaucement traîne, ce qui a fait qu'il fasse 40 jours, 40 ans de 40 jours, les murmures. Les frères, donc, est venu me voir au bureau. Je le cite parce que c'est le Ramadan. C'est un message d'ailleurs qui je pouvais le faire passer pour qu'il donne l'église. Avant qu'il ne vienne, un prophète a prêché. Il a dit à l'église, je vois Dieu bénir beaucoup de gens. Mais Dieu interdit à l'église. Mais ça va péter une église. Les miens. Il l'obéit là. J'étais là dans l'église, beaucoup de gens n'avaient pas saisi le message. Parce que le message va ce message de miens. Avant la troisième semaine, nous étions en prière ici. Ah, quand on va naquer, ils allaient le Seigneur a donné ce message à l'église. Et pendant ces 40 jours, je ferai beaucoup de choses. Mais ce qui empêchera la gloire de paraître, ça c'est miroir. Et lui, yes. Dieu l'avait frappé à cause de miroir. Ce qui était à la montagne savent de quoi je parle. Je peux parler. Il a négligé l'œuvre du Seigneur. Je l'ai rencontré dehors, je lui ai dit donc. Moi, il est difficile au bon de la moutasse à la moussa à l'anzambe. Pour la ligne, il y a un salam la qui est en salle.
Si je suis capable de gérer. Quand vous venez ici, l'entretien des toilettes, ce soir, c'est lui qui le fait. Il était très bien. Et si quand tout ça, il comment il a relâché. Maintenant, il ne veut plus de prière. Il avait jour sous du haut de la chair et il sortait. Tout ça, je le suivais. J'ai cette responsabilité de J'étais sous l'onction. J'ai voulu prier pour lui. J'ai senti que Dieu avait prié pour lui. Il m'a prié pour l'enlever. Vas-y. Nous captons la prière. Il y a beaucoup de mots. Il dit viens, je vais prier pour lui. Il est parti. Deux, trois jours après, il est venu avec la même plaie. Il a commis pour s'infecter. Je voulais prier pour lui, je lui ai dit non. Attends que je finisse avec tout le monde et je vais prier pour toi. Il est parti. Moi, je sortais, je l'ai vu. Il voulait que je prie pour lui dans la gangue. David, ne jouez pas quelque chose de Dieu. Nous sommes de ça, exactement. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et ça n'est peut-être pas si je suis parti. Il avait mal. Je voyais comment il souffrait. Il est venu à la montagne. Aïe Nangoba, j'ai prié pour lui. Non, avant ça, la deuxième fois, on a dit c'est un ami, Ezambasu. Il s'est fâché. Ezambasu, ton nom est abalé, ou ta tête naï. Avec la question du cotine, on a dit c'est un ami, donc, Ezambasu. Il y avait encore rien. Ezambasu. Comme il ne voulait pas, j'ai laissé. Quand il est venu à la montagne, le colonel va dans le pôle. Je ne priais pas pour lui. Je ne priais pas pour lui. Quand nous sommes allés à la montagne, je l'ai vu. Je vais prier pour lui aujourd'hui. J'ai demandé à Jean-Pierre, ce soir, dans un kilote, pour mon pantalon, la télé des serres. Il est allé, il a fait, je ne sais pas quoi, il a ôté là-bas. La pluie pourrissait déjà. J'ai prié pour lui avant l'onction d'huile, j'ai déclaré. La même nuit, la plaie sèche, complètement. Il est là, il me voit ça. Et quand il remarque que la plaie a séché, il rentrait pour aller dormir place à sa ramoussane. Cette nuit, tu allais mourir. Là, vous l'avez dit, c'est. Ben, c'est cette nuit qui allait mourir à cause des murmures que tu fais sur l'œuvre de Dieu sur ton salut. Va, je prie pour toi. Quand il est venu, j'avais des larmes aux yeux, j'avais regardé. Parce que je l'avais déjà dit à la sœur Christelle. Que ses frères, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas prophète. Dieu veut me dire, maman Bijou, avec ce matin, il y a eu ça, maman Bijou, à la question, la bonne bonne la bonne maman Bijou. Point barre. Ma prophète n'a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu leur dit, je ne suis pas prophète. Quand ils voient, ils disent. Moi, je ne dis pas. Moi, peut-être, ils ont l'air d'un autre solo dans la zone encadrée, ou d'un ministre, comme on a dit, je savais déjà. J'avais senti ceci. Je ne suis pas pour la faire. Les murmures ont fait qu'Israël fasse 40 ans au lieu de 40 jours. C'est la dernière semaine. Dieu a visité Mais ta position, ta conception, ta marche, ce que tu fais, ce que tu sors de ta bouche, déterminera le temps. Est-ce que tu es avec moi? Déterminera le temps. Un homme dit Dieu n'a nié le pas ses promesses. Il est retard.
Il attend que tu sois prêt. Il n'en a nulle part. Il n'en a pas besoin. Soit on va dire, on peut selon au bout. En gros, tout le monde passe à moi. Mais il attendra que tu sois dans des conditions et dans des temps pour qu'il te redonne. Devant la mer rouge, Pharaon est arrivé. Pharaon, les enfants d'Israël ont crié, se sont répandus. Ils ont traversé. Quand ils traversent, leurs yeux s'ouvrent. C'est maintenant les yeux prophétiques. Et Myriam qui s'ouvre. Et elle chante un cantique. Elle ne l'a pas chanté avant la traversée de la mer. Myriam, c'était la sœur de Moïse. Elle était témoin. Elle a caché Moïse. Elle a vu la fille de Pharaon prendre Moïse. Elle a vu Moïse fuir de l'Égypte. Elle a vu Moïse revenir à l'Égypte. Elle a vu le signe que Moïse a vécu. Mais elle aurait fui. Qu'il voie de ses yeux la mer. Par Moïse, la Moïse pour qu'elle chante. Je suis en train de prier que pendant la fin de ces 40 jours, que tu chantes un cantique. Un chant que tu n'avais jamais chanté. Il y a des cantiques que nous chantons parce que ils ont un succès. Parce que quelqu'un l'a chanté. Vous savez, quand, avant la lecture biblique, quand j'ai parlé, d'abord on le m'a l'esprit. Quand je vous disais que si on prend d'autres moutaïens, nous disons que 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 nous disons quand tu verras ta mer rouge s'ouvrir, tu inaugures un miracle. Ce que personne n'a vécu, tu passeras la mer, tu seras comme Myriam, tu diras non, ce n'est plus mon petit frère, mais c'est un prophète de Dieu. Il y a des choses, tu ne demandes pas de prédication. Tu ne demandes pas de modération. Tu ne demandes pas d'intercession. Tu ne demandes pas de prophétie. Mais ce sont des choses qu'une expression en parisien sortira de ta bouche. Les hommes se poseront la question de savoir de quoi s'agit-il. C'est cantique a trois grands effets dans la Bible que beaucoup ne savent pas. Les cantiques de la traversée marquent d'abord selon Exode 13:3-16. Myriam proclame une alliance perpétuelle. Elle dit, les dieux qui a fait sortir son peuple du pays de leur esclavage. Celui qui les a traversés à sec, la mer rouge. Et Dieu instruit que cette date ne soit pas oubliée. Que chaque année, son peuple célèbre sa sorte. J'ai dit ce soir que tu ne finisses pas ces 40 jours. Nous avons eu 40 jours. Mais qu'un jour de ces 40 reste une date inoubliable. Le jour où tu as fait une prière, je ne sais pas c'était quel jour. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui. Je ne sais pas si ça c'était ta prière des premiers jours. Mais si tu as fait une prière, l'un de ces 40 jours, que l'Éternel fasse par son accomplissement, que tu n'oublies jamais cette date-là. Quand tu tiendras dans tes mains les résultats de cette prière, le pasteur ne saura pas. Personne ne le saura pas.
sera. Cela restera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire, tous ceux qui viendront après toi célébreront cette date. Ils sauront que dans notre famille, en l'an 2021, au mois de décembre, dans ma famille, mon arrière-arrière-grand-père avait célébré quelque chose. Que cette date reste inoubliable. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie des hommes, il y a des dates qu'on oublie pas. Un professeur nous avait dit la force exceptionnelle de Mobutu, c'était la rétention des dates. Mobutu a encore causé la date, c'était. Les gens qui l'ont suivi de près, c'était un homme quand il parlait, il avait la rétention des dates. Tout le monde pouvait prier avant de se noter. Et ça n'a pas les 4 étés, le 9 septembre 1900 beau, et au 1800 beau, au 1700 beau, na RT. Et quand vous vérifiez, pourquoi? Parce que c'était des faits marquants de ce parcours. On a la date pour le marquage. Mais 40 jours ici, là. Nous avons la date, mon Dieu. Et si tu as un homme dans le calendrier, mais on va nous célébrer. Mais pour le monde, il y a ma maman Zambé. On met la soirée dans le soir. On fait ça, on a combo. On va bien l'amour de Noël, on va bien la Saint-Sylvestre. Mais ma soeur, on va bien la date. Et ils ont la date, mon Dieu, on va bien la maman combo. Parce que même les siens, sera que ce jour-là, quelque chose s'était passé. Un homme avait fait quelque chose. Myriam a chanté. Il a dit que cela reste une alliance de génération en génération. En Israël, Moïse est passé. Aujourd'hui, on célèbre la traversée de la mer rouge en Israël. Deuxième chose, on dit. Cette date était devenue une loi. Dieu l'a rappelé dans les 10 commandements. Exode 22. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays où tu étais esclave. Alléluia. Nous avons fait 10 commandements. Mais il se rappelle d'abord. Quelles sont toutes les prières que tu as faites? Qu'il reste une prière qui sera la référence de ta foi. La référence de ta foi. Et ça, c'est la prière. Je me souviens d'une sœur que j'encadrais, elle est allée au Canada. Avant qu'elle parte à la jeunesse, la tchèque qui est parmi les prédicatrices, et une fois j'ai fait le programme, sa semaine elle vient me voir. Elle me dit, comme elle était la petite sœur de mon parrain, père Sonam, il me dit, l'ongola m'a la prédication. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, et comme il est babou. Aujourd'hui, elle tient un ministère de femmes au Canada avec le même message. Attends, la terre à l'amour de Dieu. Il faut que tu aies le pamboir. Pour y avoir un zamba sala dans la vie naïe. Elle sait bien l'expliquer pour les tabernacles, pour les sanctifications. Tu vois, il y a des lignes. Alors, c'est que dans la prédication,
je suis l'Éternel Dieu, tout vous a fait sortir du pays de votre esclavage. Si on t'a lumière un peu ma vie dans l'eau, t'as un peu dans ma prière. Non? Moi j'ai déjà constaté ça. Des fois, maman a tenu dans la prière avec moi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, tu es l'Éternel Dieu des armées, les cieux et la terre là-bas. Ah, maintenant on lit les nouvelles introductions. Si on a dit ma prière, on vient pour ça concentrer. Au moins des armes à l'eau, on s'en sert à l'eau forte. Il y a mon âme ma honte dans l'eau. Et comme ma révélation, mon avis, maman. Amen. 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 On a dit que nous sommes là, à ta soit petit bon roi, il y a une vie en lui. Mais jusqu'à là, tu n'as pas encore saisi cette révélation. Depuis ces jours-là, Myriam chante Bible. Cela est devenu une loi. Dieu ne pouvait plus se révéler. Sans cette identité. Donc il a le bien au point. Si tu as un homme dans le salé, et pour ma référence, et pour ma identité, amen. Et si tu as un homme dans le terre en Zam, Baba n'a pas mon référence. Troisièmement, il y a Misako. Myriam chante. Myriam a le cantique de Myriam, Myriam est devenu un cantique pour le psalmiste. Psaume 66, 5 à 6. Écoute ce que le psalmiste dit. Venez voir ce que Dieu a fait. Car ses actions sont imposables en faveur des humains. La mer change et changeait en terre ferme. Les fleuves passaient à pied sec. Quand le psalmiste chante ceci, ils appellent les gens de leur temps. De venir voir ce que l'Éternel a fait. Alors que l'Éternel l'avait fait il y a des siècles passés. Mais cela est resté présent. Quand nous sommes à passer à la maille, David a zalaraté. Asaf a zalaraté. Coré n'a pas donné la zalaraté. Mais Nathan n'a pas zombé dans la parole. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir comment il a transformé la mer en terre sèche. Comment tu le vois où? David, pendant que tu l'as dit, nous allons le voir où? L'Éternel a fait une chose. Mais cette chose est restée présente. Je suis en train de demander à Dieu, à cause de ton sacrifice, ce qu'il fera pour toi aujourd'hui. Fasse perpétuellement de génération en génération dans ta vie. Quand dans ta famille, le même besoin se présentera. Aïe, le roi Moïse, lui, aïe, ma. La saline en est l'autre. La tombe, il va m'avoir pas prendre la suite. Parce que quelqu'un veut déjà payer le prix. C'est le prix que tu as payé. Pendant ces 40 jours, ce que tu recevras, tes descendants bénéficieront. Même si ne prie pas, ils en bénéficieront. Les Américains d'aujourd'hui n'ont pas combattu la deuxième guerre mondiale, mais ils bénéficient de la victoire que leurs aïeux avaient eue. Einstein, Nani, Sama, il suffit d'être américain. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent jamais abandonner un de leurs où qu'ils soient aidés. Madame Salama calme. Mais dans la psalmie, c'est pas une zéro. Dans la tika comme moi, je peux pas m'envoyer ma mon abandon. Amen. Amen. On m'a dit, révélation va te faire mon cœur. Lève à ma, nous allons à Tima, nous allons à Citatène. Je suis en train de me dire.
Sans être marié, allez attendre. On ratera pour ça marié. Mais si vous allez marié, Amen.
Et l'onction de médecin, elle m'a fait comprendre. Je vais raconter l'histoire ici. Moi, on m'a engagé la première fois, j'entre dans les bureaux de notre DG, des défunts DG. Je vous ai raconté dernièrement, quand tout ça, vous savez. Ils ont sorti de l'ordre, tiens, ça, ils ont 15 ans pour finir. Nous sommes à côté dans le bureau d'État. Mais moi, je n'étais pas engagé. Je suis à Gênes, dans le Ranzar, mais souvent, il va se voir dans le Moussal, il va engager. Non, il m'a dit qu'il y a un peu de temps, c'est 17h. Il y a déjà un problème de connexion. Maintenance, il y a un mois. Je ne sais rien faire. Mais le Seigneur savait. J'étais à Gênes. J'avais ce que ceux qui connaissent les réseaux n'avaient pas. On m'a retenu, vous n'avez pas connu de haut, on ne les regarde pas comme ça, ils ont fait. Même si tu es un beaucoup de vous il avait le pouvoir dans ses yeux. On m'amène à 17h, j'entre dans les bureaux, on a mis dans la bataille. Mon temps, mais maintenant, vous m'avez dit que c'est non, ça a été bon, on a mis. A Koumina, ta balle là, va dépanner les DG, là, problème de connexion. Connexion, n'a rien dit, on m'a dit que c'est non, ça a on me jette dans les bureaux, j'entre, on m'a pas dit que c'est non, ça a été bon. Pourquoi ne pas les démarches et changer tout le monde, n'a pas de poche, n'a j'arrive, je touche la souris comme ça, j'ai évité l'obandard. Je vous l'ai dit, je suis sous serment. Nasimba souris na bandeau chandarabane yo bakarabasan. Jésus, montre-moi ta gloire. Seigneur, à ton nom donne gloire. Dans Obima, ne pose pas si c'est Obima. Non, que tu nous as fait dans le monde. Rebakarabasan. À ton nom, ça va là-bas? Non, ça va. Nasimba, nasimba, le côté. N'aide pas la sortie. Nabandida, la bandeau, to, kozo chandarabane. Le bon poisson pour l'air n'a plus le petit clatter dans mon arrêt. Machine à battre carnage. Brrr, et carnage et redémarré. Il n'a rien de gagné. Depuis ce jour-là, dans la tête de mon chef, c'est mon collègue de service. J'étais compté parmi les experts en réseau. Trois ans après, je faisais des voyages en réseau. Partout, sans étudier les réseaux. Je n'ai jamais échoué. Quand je lis Bethsaïe, j'ai compris. L'onction, ce n'est pas pour les chandards là-bas. L'onction rend capable pour tout ouvrage. Yamba ba capacité.
capacité surnaturelle. Zamba ne malo na dimension na lo komate. Bandale lo elo komo kote lo tele melayo. Yo okoko kama kamunyoso. Nyoso na kosen na yosa la okosala. Zamba zo pesa yo. L'onction de Betsayel et de Goliath. De Goliath. L'onction de Goliath est Simba yo. Ah yo so traversé mer rouge. Ah yo so katisi. Na osen na Miriam a zwa lingan na me na poko na nilo. Aba na voyen manze mousou na molino ya sita. Na oye kanze mwana na kombo de bakati. Na zo kanze mwana chandaraba koro de santa. Eh nze mba sike ebe tama na poko alelo. Ponza mba zo banda iswara sika ba moutumeba. Alelo. Na oye kanze mwana zo beta. Na ota na kombo na yo. Na oye kanze mwana zo beta na poko alelo. Nze mwane komi ansegnema. Nze mwane komi suisse d'inspiration à psalmiste. Nze mwana. Libère les lions dans ton cantique. Libère les lions dans ton cantique.
le bon de Saint-Loco et Nakina, le bon de Malamou. Voyons la terre, il n'y a pas de ce sida. Nous devons nous donner un bazin de Noël. Malam, on va pas se mettre dans le thème. Un cantique nouveau qui bouillonne dans ton cœur. Salam, on a gagné la haine à propos de la Noël.
pour aller après d'autres dieux et pour les servir.
acclamons la bénédiction du Seigneur. Acclamons la bénédiction du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais t'acquitter de ce lieu. Toi qui avais gêné, prends tes données, mets-les sur ton cœur. Tout ça, il te manque. Et pour qui ça m'a pas. Une alliance perpétuelle, un cantique pour les psalmistes, un enseignement des prophètes, que les requêtes, les chants, les versets, les paroles qui ont été apportées en ce 37e jour soient exaucées et soient brûlées devant ton trône. Bénis ton peuple qui était à jeûne et à prier dans ces 37e jours, et ouvre-les ton bon trésor, selon Deutéronome 28, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Je vous quitte ensemble sur cette thème tirée dans Exode 14, le verset 13, où il est dit: ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la COVID s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la COVID est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les kits. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu du lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 10e édition de la Marche vers Cana, avec comme thème ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu le verras plus. Grégoire, sur l'avenue Noubi numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salongo Nord, arrêt Libaya. Vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là, mon cher. Que le Seigneur te bénisse.